Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, mes frères et sœurs. Nous sommes tous la bienvenue ce matin dans nos cultes d'adoration. Alléluia. Comme d'habitude, nous tous nous préparons pour le culte de ce matin. Nous devant le trône de la grâce, nous devant le Seigneur. La Bible dit là que deux ou trois rassemblés en son nom, Jésus lui au milieu de nous. Et monsieur, que chacun de nous vienne rassembler en famille ce matin. Nous pas seulement tout seul dans la chambre, nous sommes en famille. Et nous plus qu'idée. Si je plus qui deux, donc le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est avec eux. Alléluia. Et eux, la maison vient un sanctuaire du Seigneur. Alléluia. Et nous respecter la présence du Seigneur. Nous rassembler. Nous pas dans ce lieu physique, dans une seule place, nous tous nous rassembler, mais nous tous nous devant le trône de la grâce. Et le Seigneur est avec nous et nous respecter la présence du Seigneur. Alléluia. Et pour nous, de grandes choses pour passer, aussi hier et certain. Alléluia. Laisse-nous placer que dans la présence du Seigneur, dans la main du Seigneur, que le Seigneur est à l'œuvre ce matin. Seigneur, nous rendons-toi grâce, nous t'en merci. Nous les glorifions ton Seigneur, nous les disons toi merci. Merci Seigneur Jésus ce matin. Oh, alléluia, nous te finissons nous le privilège pour venir dans ta présence, pour venir dans ta présence, pour louer toi, pour adorer toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, pour ce don, alléluia, pour le don de ton Fils sur la croix, Seigneur Jésus, qui vient permettre ce matin, alléluia, nous rassembler, Seigneur, pour nous permettre ce matin, pour louer toi, Seigneur Jésus, pour venir dans ton sanctuaire, pour venir dans ton sanctuaire, dans la présence. Présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Je les glorifier ton Saint-Nom. Je les dis à toi, merci, Jésus. Alléluia. Car à peine d'autres dieux semblables à toi, à peine d'autres dieux vivants comme toi, Seigneur. Nous les glorifier ton Saint-Nom. Nous les dis à toi, merci. Alléluia. Oh, la gloire est à ton nom. L'honneur, la puissance est à toi. Oh, merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Alléluia. La gloire est à ton nom, Seigneur. L'honneur, la puissance est à toi. Oh, Radababa, oh, Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce matin. Oh, quand tu pécheurs, je m'adresse adorateur. Qui pour louer toi en esprit et en vérité, alléluia. Qui pour louer toi en esprit et en vérité, Jésus. Seigneur, remplis-nous de ton feu ce matin. Remplis-nous de ton esprit ce matin, alléluia. Afin que tu sois capable de louer toi, Seigneur Jésus. Oh, c'est pas en plus de toi. Ce matin, avec une louange, de l'époque de trône ce matin, avec une louange. Oh, alléluia, qui sont dans le profond de l'église. Nous parlons, Seigneur Jésus, de toi seulement, elle chante, elle offre toi une louange. Qui sont une profonde légère, qui parfume ton trône ce matin, Seigneur. Aide-nous, ranime-nous de ton feu, de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est béni, Seigneur. Oh, there is no one else like you. Alléluia. T'es vraiment grand. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Alléluia. Nous, bon Dieu, il est vraiment admirable et nous, bon Dieu, il est vraiment merveilleux. Amen. Alléluia. Laisse-nous sanctifier la frères et sœurs. Sentis-vous libre de la présence du Seigneur. Il y a besoin de la main si vous avez besoin. Déboutez, onze et nous. De la maison, il le sanctuaire du Seigneur. Sentis-vous libre de la présence du roi. Yeah.
bon berger. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Notre Dieu est admirable. Bon berger, il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie, sa grâce me suffit. Sa grâce, il est notre bon berger. Merci Seigneur Jésus. Oh alléluia. Oui Seigneur, nous les trouvons, nous les ressemblons toi Seigneur. Change-nous les cœurs, change-nous conception afin que nous capables vivre comme toi Seigneur Jésus. Nous les ressemblons toi Seigneur. Nous les trouvons comment toi te trouver. Nous les chantons comment toi te chanter. Nous les prions comment toi te prier. Alléluia. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Mon envie trouve comment te trouver, comment te trouver, comment te causer. Mon envie pense comment te penser, mon vivre comment toi. Mon est content comment te content, à toi comment toi adorer. Mon vie prie, comment te prier, pour les ressembler toi. Oh Jésus, change mon conception, mon mentalité. Oh Jésus,
Ce matin, Seigneur. Oh, que toute la gloire qui descend. Oh, toute la gloire glorieuse. Ta présence glorieuse. Alléluia. Viens envahir nous ce matin. Alléluia. Oh, chacun de nous dans notre maison. Alléluia. Que toute la gloire qui descend ce matin. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Nous proclamons tout
descend. Quitte la gloire, il descend. Nous les cœurs, les grands remplis-nous de ton esprit, que ta gloire environne nous ce matin. Oh oui, Jésus. Quitte la gloire, l'Église, nous les guéris. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Gloria Andana Mashakadabai. Dans le bon nom de Jésus, ton Fils. Dieu, toi, merci. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Jesus. Glory to the Lord of hosts. Alléluia. Amen. Je suis sûr et certain que je viens d'être béni. Alléluia. Dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Nous ressentis la présence de Dieu ici et nous croyons que je suis capable de ressentir la présence de Dieu chez eux. Alléluia. Ce matin, nous arrivons le moment maintenant pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons le privilège, le pasteur Varsou qui va avec nous. Laisse-nous nous accueillir, nos frères. Alléluia. Et que bon Dieu bénisse et son serviteur. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Et ceux qui m'écoutent moi aussi, sur Facebook, c'est live, et vous saluez dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je suis en bonne santé chez eux, hein, tout heureux. Et je connais que le Seigneur est avec eux, et que la grâce de Dieu est toujours avec eux. Amen. Mais Dieu est bon, Dieu est omniprésent, malgré ma situation difficile. Nous prenons une précaution toujours. Et certainement, nous prions que cette épidémie-là disparaisse très bientôt. Amen. Voilà ce matin. Révolie, merci beaucoup pour l'invitation pour la parole de Dieu ce matin. Et nous tournons la Bible ce matin dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, le chapitre 18. Et nous pouvons lire à partir du verset 21. Donc, à partir du verset 21, Matthieu 18, on va lire à partir du verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Mais quand on pose une question à Jésus, peut-être une question qui fatigue lui. Peut-être un démon a chaque fois plus offensé. Alors, ça dans, peut-être dans les pieds de Pierre, dans la tête de Pierre, il dit, Seigneur, mais combien de fois je vais pardonner ce démon là? Combien de fois nous sommes capables de pardonner un démon? Et ça, peut-être dans la tête de Pierre, ça l'est là, il est capable de dire Pierre cela. Ou Pierre est capable de dire Jésus cela. Alors Jésus dit quelque chose de très important. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, ni 8 fois, right? Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois fait 70, fois 7 fait 490 fois. Ce qui veut dire, vous pouvez compter ça, difficile. En deux mots, Jésus dit, il faut toujours pardonner. Amen. Il faut toujours pardonner. On va pas qu'à raconter 1, 2, 3, 4, 5, 100, quand une fille fatiguée la même. Hein? Donc, il faut toujours pardonner. Alors, Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Là, Jésus parle du royaume de Dieu. Alors, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, ce n'est pas une petite somme d'argent, ça, mes frères et sœurs. C'est une somme très, très énorme. On peut essayer ça le matin, on peut essayer de comparer combien il fait à peu près. 10 000 talents fait environ 500 millions de roupies. Environ 500 millions de roupies. On peut penser, mais il y a 500 millions de roupies. Capable de payer ça, ou doit ça qu'on est capable de rembourser. C'est une somme astronomique, énorme. Alors, la Bible dit nous, cet homme qui doit 100, près environ 500 millions, très, une somme énorme, qui n'est pas capable de payer. Quand il n'avait de quoi payer, c'est vraiment difficile. Crois-moi, une somme énorme. Nous-mêmes, nous travaillons, allez, 100 millions, plus facile de payer ça, on a une dette. Hein?
C'est impossible. Allô? Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Pas dire payer, hein? Acquittée. Veut dire vendre ce madame, vendre ses enfants et lui-même, vendre-lui, jusqu'à lui payer sa dette. C'est ce qui veut dire jusqu'à la mort. Jusqu'à lui vivre, en deux mots. Parce qu'il y a une somme très énorme, pas capable de payer. Alors, le serviteur, il reconnaît qu'il n'est pas capable de payer. Se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Il a une patience. « Moi, pour payer toi tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le maître savait qu'il ne pourra pas payer. Le maître, il ne connaît pas pourquoi payer. Et là, le maître, il a dit, ému de compassion pour lui. Il dit, allez, mon rey te dit. Waouh! Est-ce que vous êtes content, hein? Ou t'es dit payer? Vous connaissez quand tu mets la dette, il dit, oui, bien le soir, vous connaissez? Quand tu mets la dette, quoi, il dit, oui, bien le soir? Pas gain de sommeil. Il y a un tracas. Donc, frères et sœurs, cet homme, quand le maître fait une rébellion, se dit, pourquoi tu me dis dans la joie, qui dit pénance? Un dette pas capable de payer, le maître réussit sa dette là. Pourquoi la joie de se liquider? N'est-ce pas? Tu rentres dans la maison, peut-être vous dire, mais extra content. Allô, frères et sœurs, la Bible vient nous. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est à peu près dans l'époque. Israël, 3 mois la paix pour un soldat. 3 mois la paix, qui dit ça? Hein? Allez, bientôt 3 mois la paix, faire 50 000 roupies. 50 000 lots, 500 millions. Qui ça représente? Tiens, un coup. Il doit dire 50 000 roupies. Un petit somme d'argent. La Bible dit nous, il le saisit et l'étranglit. Qu'est-ce que ça? Trappe-lui pour coller, puis trangle-lui. Waouh! Il a dit, paie ce que tu me dois. Non, moi, je t'attends, cet homme, dans la joie, il allait, hein, 500 millions d'êtres, venir rayer, rentrer, vous dire, vous heureux, moi, allez, vous les gars, sans, vous dans la joie, vous dites, d'être qu'un, c'est pas me doit. Mais au contraire, cet homme, mes frères et sœurs, il étonne-moi, et trappe-lui pour se coller là, trempé, tranglé, il dit, paye-moi 50 000 roupies. Waouh, c'est incroyable. Au lieu d'un mood heureux, il y a un mood amer. Alors, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Pareil que Maline fait avec son maître. Ça, c'est éviter l'arci, hein, sa compagnon, son camarade, va dire, c'est éviter, son compagnon et son camarade, ça. Son compagnon. Là-bas, c'est éviter, maître, ici, compagnon, camarade. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Waouh! Alors, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Là, le maître est dit comme méchant maintenant. Puis, quand nous ne pas pardonner, en anglais, we become bitter. Quand nous ne pas pardonner, nous vîmes méchants. Donc, frère et soeur, là, le maître, son attitude dans le serviteur vient changer. Il trouve lui. Il est méchant maintenant parce qu'il n'est pas pardonné. Et c'est ça le danger, frère et soeur, dans la vie. Vous connaissez? Quand il ne dit pas pardonne son camarade, il est méchant.
Et de jour en jour, tout à l'heure, regarde ça un petit peu en détail. Alors, le maître dit à lui, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de tes compagnons comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Bourreau en anglais, tormentors. Tormentors, vous connaissez, tu vas dans la prison. Tormentors, pour tout en tout. Jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. Et parce qu'il dort bien là. N'existe pas de sa camarade là. N'est-il heureux? Malheureusement. Parce qu'il n'y a pas fini de pardonner ce camarade, bien ici, il fut livré au bourreau jusqu'à ce qu'il payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi, regarde ça, c'est important, verset 35. C'est ainsi, Jésus parle du royaume de Dieu, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. C'est ainsi que Dieu vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Mes frères et sœurs, c'est un sujet très important, le pardon. Vous connaissez, Jésus vient de la terre pour pardonner nous. Le but que Jésus vient de la terre, c'est pour pardonner nous, il donne cela à vie de la croix, les souffert, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus parle du royaume de Dieu, il est venu pour pardonner nous, il paye le prix de nos péchés sur la croix, un prix qu'il n'est pas capable de payer. Nous ne sommes pas capables de payer le prix de nos péchés. Comme cet homme n'est pas capable de payer le prix, la dette qu'il tient. Mais Dieu, frères et sœurs, tient l'amour, tient la compassion pour nous. Et finalement, voir Jésus à la croix. Et la Bible dit à nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vit par de nous. Donc, frères et sœurs, le pardon est extrêmement, extrêmement important. Et nous trouvons, frères et sœurs, cet homme vient d'être livré au bourreau. Tormentez. Mais frères et sœurs, parce qu'il va pardonner, il est torturé. Mes frères et sœurs, bien souvent, il y en a beaucoup de maladies physiques ou bien émotionnelles qui sont associées parce qu'il ne pas pardonner. Regarde cet homme, est-ce que tu es heureux là quand tu es dans prison? Est-ce que tu es heureux là-bas? Dans prison, pas un travail léger, un travail lourd. Est-ce qu'il est heureux là-bas? Non. Et bien souvent, beaucoup de personnes, vous êtes malades physiquement. Par exemple, frères et sœurs, elle a dit, tout le temps, une malade, la tête fatigue, moi. Elle a une tension. Elle a une tension montée. Il n'est pas capable de sa dimoune là. Et ça cause malade de cœur. Il stresse. Parce que le docteur a dit, arrête de prendre un tracas. Mais le problème, c'est le problème émotionnel là. C'est une question spirituelle, frère et soeur, qui est associée très souvent avec un problème. La cause de ne pas pardonner, il y a beaucoup de problèmes physiques qui sont associés à ça. Même émotionnel. Nous sommes méchants, frères et sœurs. Nous avons une dépression, de l'inquiétude. Mais dépression, que ça veut dire, frères et sœurs? Vous voyez, c'est un mot dépression, on veut dire anger turns inward. Quand je dis dépressif, c'est la colère qui nous garde à l'intérieur. Mes frères et sœurs, vous connaissez qu'en sac humain, il y a une certaine quantité d'émotions dans nous. Comprenez bien. Quand c'est l'émotion qui nous a, elle est limitée. Quand c'est l'émotion qui nous a, elle est limitée. Vous connaissez quand vous perdez un travail, une journée, on est plus fatigué, que ce soit mentalement, physiquement, arrêtant tout, on est plus fatigué. Vous pouvez concentrer bien. Je veux dire, on servit beaucoup ou à l'émotion. Là, on vient récupérer.
Mais vous connaissez, frères et sœurs, quand vous pas contre un démon, la haine, écoutez-moi bien, la haine et la colère, ils consomment beaucoup de l'émotion. Quand un démon a la haine dans son cœur, quand un démon est en colère, ça consomme beaucoup, beaucoup d'émotions dans la vie. Vous connaissez, quand on a des data que tout, Internet, vous connaissez qui mange beaucoup de data? YouTube. Vous êtes film de YouTube, il mange beaucoup de data. Là, allez, vous trouvez qu'il est arrivé? Vous savez, l'Internet est lent, qui est arrivé? Et vous data infini, vous gagnez slow. Data. Internet means slow. Il n'est pas fonctionne normal. Vous n'arrivez pas à cause de ça? Car il y a un niveau, data infini, vous êtes télécom, il y a arrivé, data, pas bien réseau, il y a où data terminé. Infini. On finit service à cause de data qui de nous là. Mes frères et sœurs, la haine et la colère dans la vie du monde, ils consomment une émotion. Vous êtes arrivé, frères et sœurs? On n'est plus capable de vivre. Moi, bien vivre. Mais nous, les corps, pas fin créer, frères et sœurs, pour garder la haine là-dedans. Nous, les corps, pas fin créer pour garder la haine dans nous, les cœurs. Non, nous, les corps, fin créer pour donner l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu qui crée nous. Donc, frères et sœurs, ce qui est arrivé, la Bible dit à nous, dans Éphésiens. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, frères et sœurs. Il y a un problème émotionnel. Parce que sur l'émotion, il construit. Éphésiens chapitre 4, verset 26-27. Nous disons ensemble, frères et sœurs. Yeah. Si vous vous mettez en colère, nous gagnerons en colère, hein? Nous gagnerons en colère. Arrivé à ne pas en colère, on a fait une jolie veille, une jolie plan, ça va être cassé. En colère. Vous êtes en colère. Mais c'est moi la Bible de nous, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Nous gagnerons en colère, les frères et sœurs, mais la Bible de nous, pas pécher. Quand vous collez, vous n'êtes pas d'accord, disons moi, avec l'inquiétude. Mais, vous n'êtes pas d'accord, avec l'inquiétude. Mais c'est mort, vous ne pas pécher contre lui. Vous n'êtes pas d'accord, avec l'inquiétude, un point, il y a différents points de vue, mais vous ne pas pécher. Par contre, il y a des gens qui ont collé. Tiens, vous avez envie de casser. Tiens, vous avez envie de casser. Tiens, vous avez envie de mourir une fois. Vous n'avez pas envie de trouver encore. Là, c'est un péché. Mes frères et sœurs, la Bible dit, si nous mettons en colère, pas faire péché, pas cause qu'on dit là, pas critique dit là, chacun a son opinion, nous ne sommes pas d'accord avec l'opinion, mais seulement nous respecter l'opinion de nos camarades, mais nous ne pas pécher. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, c'est important encore. Ou en colère, ou péché. Regardez, vous en colère, seulement avant de dormir à soir, avant le soleil couché, répenti. Qu'est-ce qu'il fait? Ça pour continuer ou l'émotion à l'intérieur, ou pour avoir un problème émotionnel. Par exemple, Internet est slow, ou bien un problème émotionnel, ou pas pour qu'elle fonctionne dans toute capacité ou capacité. Parce que ça pour fatiguer la tête, ou pas pour qu'elle concentre bien. Donc, fait une petite chose. Et frère et soeur, sa colère là, écoute-moi bien, sa colère là. Regarde ce que la Bible dit à nous, verset 28. Il dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Il est relié là. La colère, le péché, donne accès au diable.
Mes frères et sœurs, quand sa colère là, il développait en la haine, le diable rentrait, frères et sœurs. Et ça, la haine qui développait dans les cœurs là, il peut développer dans la famille. Parce que la haine qui est en haut là, le diable pour rentrer, frères et sœurs, il ne donne pas accès au diable. Il dit, quand il donne accès au diable, le diable pour rentrer, ça, la haine qui est en haut là, il peut grandir. Il peut grandir. Et bien souvent, on trouve une relation dans la famille parmi correcte. On commence à crier aux enfants. On commence à crier au bon homme. On commence à crier aux bonnes femmes. On commence à crier. Ou un camarade commence à éloigner avec vous. Parce que l'attitude envers eux, la façon qu'ils agissent envers eux, n'est pas pareil. Parce que le diable est rentré dedans. Regarde, frères et sœurs, quand le refus du pardon amène nous. Et bien souvent, nous trouvons un problème familial, frères et sœurs, sur la source, c'est parce que, et dans la haine, fin de rentrer, nous refusons de pardonner. Et c'est ça, frères et sœurs, le message ce matin. On va peut-être comprendre. La Bible dit, nous capables en colère, mais pas faire péché, et pas de narcisme au diable. Et ça, un jour en colère, des jours en colère, 24 heures, 48 heures, 3 jours, 72 heures, et qui s'appelle manzou, l'émotion à l'intérieur. Mais qui vous venez? Vous n'êtes plus bébé vous-même? Vous n'avez pas à personne qui bon Dieu vient créer où là? Et vous connaissez, frères et sœurs, la haine, c'est du diable. Et c'est la haine en haut, frères et sœurs, nous dans le territoire du diable. Et le diable vous détruire. Non seulement vous détruire où? Détruire aussi vos familles, détruire vos camarades autour de vous. Les autres tout seuls. Par contre, frères et sœurs, l'amour est de Dieu. Le diable, la haine, est du diable. Et nous ne pouvons pas combattre le diable dans ce territoire du diable. Mais quand il y a l'amour dans les cœurs, le territoire bon Dieu. Et l'amour bon Dieu, il grandit dans les cœurs. Dès qu'il y a chose qui grandit, l'amour, quand nous demeurons Dieu, la haine, quand nous donnons accès au diable. Et puis la haine grandit. Puis affecter des étimons. Donc il est important, frères et sœurs, dans le cadre de bonnes relations et de camarades, pardonner. Regarde cet homme dans sa parabole du Nihala, parce qu'il refuse de pardonner. Quelle situation il peut vivre? Il n'est pas facile. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous pardonnons des étimons, nous sommes sous la protection de Dieu. Mais quand on ne pas pardonner, ou perdit sa protection, mon Dieu. Vous avez envie de protection, mon Dieu? Pardonnez. Amen. Donc, il est important, frères et sœurs, notre beaucoup de personnes, même dans le foyer, ils ne refusent pas d'un bon homme là, il y a un divorce. Bon homme ne refuse pas d'une bonne femme là, divorce, division, séparation. La source, qui fait, n'est pas les pardonner. Il y a vous quittez pas fait non, il ne m'a pas pardonné, mes amis. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de Dieu. Si vous pardonnez, c'est pourquoi c'est l'histoire pour nous que Jésus vient pardonner d'un péché qui nous pas capable de payer. Si Jésus pardonne nous, qui fait nous ne pas pardonner. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il est important, nous trouvons beaucoup de division, violence. Papa trouve un crime. Un crime pas facile, ça. La vengeance, c'est refuse de pardonner. La vengeance, allez, elle fait crime, comme un viol, une violence extraordinaire, frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle torture. Les tortures ou la vie, parce qu'on refuse de pardonner. Donc, frères et sœurs, il est important de comprendre quand on refuse de pardonner, il fait à nous-mêmes du mal. Et quand il me révise par deux ans, mort, puis il mange tranquille, il mange au brillant, puis il mange au mine tranquille, il dit, moi qui peux souffrir. Quand on refuse de pardonner, c'est où qui souffre? C'est pas aux camarades. Parfois, vous pensez, vous pouvez aller au léquier, ou un bébé malade. C'est comprendre quand on refuse de pardonner, c'est. Regarde cet homme. Quand il refuse de pardonner ce camarade, ça vient de souffrir là, j'aime un coup. Lui-même. Bien souvent, frères et sœurs, nous pensons que sa personne qui nous
ailleurs là, qu'on peut ailleurs lui, extra souffrir, lui veut souffrir. Menti, toi qui me souffres plus beaucoup là. Si vous comptez au même vous pardonnez, frère et soeur. Amen. Vous connaissez, frère et soeur, quand vous pardonnez un timon, pas veut dire qu'il a raison. Comment bien? Je ne pas d'accord avec vous. Le un point. Je ne pas vous coller. Je ne vous coller, oui. Mais seulement, quand vous pardonnez, pas veut dire qu'il a raison. Moi, je ne pas encore une raison. C'est seulement mon libère moi-même. Aussi longtemps que je garde ça dans mon cœur, je vais sentir un poids et je vais nuire à la santé. Je me libère en bas. Je me pardonne. Je me libère. Père et soeur. Je me rends moi-même un service quand je me pardonne Simone. Après, avec les temps, Simone n'a pas découvert que ça, c'est la raison. Arrivé ça avant le conflit. Mais seulement. Quand on pardonne un timon, pas veut dire qu'il a raison. Non. Ou capable encore une raison. Mais seulement, on libère, frère et soeur. Donc, frère et soeur, si vous comptez vous-même, pardonnez. Libérez-vous du chemin fort de la frère et soeur. Ça veut dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Donc, frère et soeur, Dieu vous pardonne nous. Quand nous pardonnons les autres. Regarde dans Matthieu chapitre 6, verset 14, il dit, merci Jésus. Matthieu 6, 14. Regarde, frères et sœurs, Jésus qui disait ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair, non? Vous pouvez pardonner tout le monde, mais sans là. Mais quand vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonne pas nous. C'est pourquoi moi je dis, si vous comptez en vous-même, vous pardonnez pour qu'il bon Dieu pardonne nous. Amen. Donc, frère et soeur, il est important de comprendre que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et vous connaissez ce qui est plus intéressant là-dedans? Nous sommes dans Psaume 103. Nous lisons Psaume 103. Montrez-moi l'équerre, bon Dieu était. Psaume 103, nous lisons versets 8 à 14. Regarde le cœur de Dieu. Dernière chance à chanter, je suis content que je puisse sentir là. Je les pense comme à te penser, je les content comme à te content. Exige sentir ça, non? Mais vous êtes vivre. Amen. Je les content comme à te content. Et écoute-moi, bon Dieu, content nous. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Psaume 103, verset 8. Lent à la colère et riche en bonté. Lent, bon Dieu en colère, il est lent, mais il n'est pas dans l'équerre. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Vous trouvez? Mon vie, moi, bon Dieu, nous fait santé, mon vie, comme à toi, pas garde colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. L'Éternel est miséricordieux, compatissant. Moi, les amis, comme à toi, vous êtes miséricordieux et compatissant. Amen, frères et sœurs. Donc, nous trouvons ici, frères et sœurs, l'amour bon Dieu, comment bon Dieu compte en nous. Maintenant, frères et sœurs, comprends bien.
Dans le fêtier commencement, je veux dire, si nous pas pardonner de tout nous l'équerre, et ça l'équerre rien pourtant, nous pardonner de tout nous l'équerre. Comment nous pardonner de tout nous l'équerre, frères et sœurs? Donc, on va dire qu'il va venir toucher moi. Quand nous lisons l'histoire de l'amour de Jésus, nous trouvons un soldat romain qui est cloué, qui est fouetté. Pas moi qui a dit, moi, je vais faire ça, moi. Et il venait à l'équerre pour faire ça, non? Oui, non. Bien, Dieu me fait un crime. Et tu sais, tu ça, tu vois, là, il n'est pas facile, ça. Il venait à l'équerre, ça. Oui, non. Mais vous connaissez, pour que ça, Jésus, le mot? Pour moi, pour Jean-Marc, pour chacun de nous, qui vient du mot? Parce qu'il est saint, non? Il est innocent, non? Est-ce qu'il est du mot parce qu'il est innocent? Non. Cet homme, il a commis un crime. Mais nous, il n'est pas parfait. Parfois, nous essayons de justifier nous, comparer avec les autres. Mais qu'on n'a pas fait crucifier Jésus de la croix. Mais vous voyez qu'il n'est pas bon, que Jésus n'a pas besoin de faire. Regarde comme regarde la femme que Bala vient attraper en flagrant délit d'adultère. Ça, madame-là, je tout peux dire Jésus, cet homme, cette femme, fait pécher, fait attraper en flagrant délit d'adultère, il peut être lapidé. Mais qui Jésus dire? Que celui qui sent péché jette premier la pierre. Ça, madame-là, pour y adultère, ça, si jeune homme-là, il va se faire sur les dos. Il est trop innocent, lui. Oui, mais où est-ce que jeune homme-là a été? C'est pourquoi, frères et sœurs, rappelle bien, nous pas qualifiés pour juger. Nous pas qualifiés pour être juge. Parfois, frères et sœurs, une personne capable de faire une erreur, écoute-moi bien, une personne capable de faire une erreur, mais nous pas connaît dans qui condition il fait cela. Les facile, moi, ça, madame, de condamner ça, madame, là. Qui connaît ce jeune homme-là, tu fais vers celui-là, ou une personne lui pour venir avec lui. Là, nous me condamne seulement, madame, là. Mes frères et sœurs, parfois, un dimanche fait une petite chose, il fait quelque chose qui parle au même. Un dimanche, un coquin. C'est un voleur, c'est un coquin. Oui. Mais cet homme, peut-être ça, là, hein? Il peine à manger. Peut-être cet homme, il ne va pas justifier, là, hein? Peut-être ça, il peine à manger. Il ne pas connaît ce qu'il fait. Il rentre dans une place, il ne peut manger, il ne manger. Il ne va pas justifier vol. Mais c'est seulement condition que cet homme, qui était, tu veux gagner faim et tu veux qu'il soit pour manger. Mais très souvent, frères et sœurs, nous justifions nous par rapport aux autres. Mais non, on va dire tout son péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous tous une offense, bon Dieu. Nous tous. C'est pourquoi, passez, justifiez-nous par rapport à autrui. Moi, je veux dire, Seigneur, mon péché contre toi. Quand Daniel priait, il dit, nous avons péché contre toi. Nous tous pécheurs. Donc, frères et sœurs, parfois, il y a des gens difficiles. Parfois, il y a des gens qui disent, comment les trouvez-vous là? Ils vont agacer. Moi, ils disent, frère, qu'est-ce que ça, frère? Là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je trouve des gens là. Bah, tu vas aller côté. Ah, qui fait? Ils vont agacer. C'est un peu facile de pardonner ça. Et si c'est habituel, ils me comprennent. Et là, c'est un peu difficile. Lui. Mais non. Une blessure. Là, il y a l'autre niveau, là. On veut cause niveau. Ça n'a pas capable de dire. Bon, ça, frère, vous savez, d'habitude, pas casse la tête. Mais là, frère et soeur, fait une blessure, fait une dévastée. Vous voyez, dévastée, une dévastée. Là, frère et soeur, la situation, est-ce qu'il est capable de dire? Oui, frère, je vais pardonner.
Mais quand vous faites mon lieu, vous priez, frère. Ça vient dans vos pensées encore. Vous n'êtes pas capable d'oublier ça, frère. Là qui est difficile, frère et soeur. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais il y a Seigneur, pardonne-lui. Mais c'est moi qui ai fait mon lieu. Mais si vous avez peur de ça, beaucoup de personnes, mais rappelez-moi, qui nous font, qui nous blessent terriblement. Mais comment ça peut être guéri, frère et soeur? Est-ce qu'il y a la mort? Non. Donc, les frères et sœurs, l'apôtre Paul, il dit, approuve le maître d'Étienne. Il dit là, il fait beaucoup, beaucoup de misère. Mais Jésus compte en lui. Sa personne qui voit hier là, l'esprit dit où? Jésus compte en lui. Et Jésus peut faire tout pour tirer lui, pour ne pas dans l'enfer. Il dit ça, hein? Et Jésus, comment tu es capable de compter en cas de dimoun là? Ça quand tu blesse-moi là, Seigneur, tu comptes en cas de dimoun là? L'apôtre Paul, qui fait dominer l'église, et Jésus content sa dimoun là. Frères et sœurs, parfois, ça rend nous fous. Comment mon Dieu est capable de faire ça? Mais je veux dire ça. Aussi longtemps que la terre, d'un enfant de Dieu, d'une créature de Dieu, Dieu compte en nous. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, frères et sœurs, comment vous capable de guérir? Écoute-moi bien. Oui, frère, moi, pardonne-lui. Mais vous dites une question bien importante. J'ai dû dire, dans Luc chapitre 6, verset 28, comment être guéri totalement? Frères et sœurs, Luc chapitre 6, verset 28, vous pouvez lire avec ça. Comment être guéri d'un quelqu'un qui nous fonce ou qui nous blesse à l'intérieur? C'est-à-dire, il blesse mon âme, ça. C'est-à-dire, il blesse mon âme, ça, frère. Parce qu'à l'amour, pas oublier ça. Mais il y a une solution. Regarde qui Jésus dit. Luc chapitre 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et dire, priez, bénissez. Ça dit mon amour, bénis-le, frère. Ça dit mon amour, priez. Mon pardonne-le, mais pour bénir-le, pour prier, pour lui. Non. Non. Il n'est pas merci. Vous pouvez prier pour lui, vous pouvez bénir-le. Ça montre qu'il vous pardonne-le. Là, là, vous trouvez un changement de la vie. Là où sentit sa poids là, sa lourdeur là, sortir aller. Quand vous priez ou bénissez, qui fait? Parce que ce n'est pas moi qui me dis ça, Jésus qui me dit ça. Amen. Jésus dit, priez et bénis-le. Il me dit où? Vous voyez quand il me dit où? Pas fait où? De quel content ça? Mais Jésus dit, priez et bénissez. Regarde quand Job t'y guérit, il dit, priez pour son camarade. Là, bon Dieu t'y guérit Job. Frères et sœurs, ça, guérison émotionnelle, là, arrivé quand vous bénissez un dimoun qui fait du mal et vous priez pour lui. Amen. Frères et sœurs, il est important. Pas mettre une étiquette de dimoun. Bien souvent, nous mettons une étiquette de dimoun. Mais ben non, aux autres. C'est une volée, ça. C'est une montée, ça. Mes frères et sœurs, je ne suis pas un juge. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pas mettre étiquette de dimoun. Parce que Jésus est mort pour lui, il paye le prix pour son péché. C'est Jésus qui choisit lui. Jésus, je vous ai choisi, je vous ai établi. Avec ce pot de fruits. Mais qui m'a été moi pour une histoire? Qui m'a été moi pour mettre une étiquette sur toi? Non, mon frère. Bon, de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ce n'est pas moi qui vous juge ni. Dieu. Vous voyez, quand on ne connaît pas toute une situation, on ne peut pas juger. C'est pourquoi Jésus dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, frères et sœurs, comptons les uns les autres. Amen. Donc, pour terminer, frères et sœurs, comprends bien.
Le pardon pas mettre sa vie de fond sous là, pas donner raison. Non. Ou pardonne-lui, mais il peut libérer vous-même. Amen. Deuxièmement, quand vous pardonnez, vous pouvez protéger vos familles, vous pouvez protéger tout le monde qui est autour de vous d'une relation. Vous gardez une bonne relation avec ce tout. Mais si vous ne pouvez pas pardonner, vous trouvez tôt ou tard, vous pouvez avoir une discussion de tout, parce que ça, il est sorti de vos équerres. La source est sortie là. Troisièmement, bon Dieu content tout le monde, même ceux qui le font en dessous. Bon Dieu content ça le monde qui le font en dessous là, il ne mourra plus. Si bon Dieu content, qui vous avez fait où? Moi, les causes que moi te causé, moi, les content que moi te content, vous êtes content d'ici. Et quand nous pardonnons, frères et sœurs, nous rendons libres et nous sommes capables de vivre une vie victorieuse qui bon Dieu nous prépare pour nous. Amen. Et quand nous pardonnons, ça sens de personnalité. Mais un individu qui part pardonner, tout le temps irrité, tout le temps trouve en colère, tout le temps vexé, tout le temps quand il se fait même. Hein? Il n'est pas rapide du tout. Ça retrouve le visage. Mes frères et sœurs, il rend nous malades quand on ne peut pas pardonner. Mais quand bénédiction, moi je viens, frères et sœurs, ça prouve qu'il y a un Dieu qui ne pardonne. Amen. Donc ce matin, si vous vivez heureux, si vous comptez en vous-même, pardonne tous ceux qui nous font. Et crois-moi, ou bien quelqu'un qui est libéré, ou bien quelqu'un qui est béni, et autour de la lumière commence à jaillir de la case, parce qu'il veut obéir à la parole que Jésus dit. Amen. Nous baissons la tête ensemble, peut-être ou que tout à la maison, mais on vit plein de la prière avec eux, sur le pardon. Je ne connais pas chez eux là quand tu étais, je ne pas connais notre situation familiale, je ne pas connais notre situation dans le travail, peut-être il y a un problème relationnel. Mais laisse-le mettre la vie droite devant mon Dieu. Et pourquoi, mon sûr et certain, bon Dieu peut intervenir pour établir toute bonne relation et en même temps où la santé pourrait faire. Vous pouvez pouvoir dormir bien le soir, crois-moi. La Bible dit qui ne parle dormir avec la colère. Il n'y a que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu, mon Dieu, aide-moi, donne-moi la sagesse. Et Dieu donne le Saint-Esprit, le consolateur, mes frères et sœurs. Donc, nous prions ensemble. Le Seigneur Jésus, je veux entendre ta parole ce matin. Et te montrer, moi, avec ta parole, comment ça manque de pardon, le refus de pardonner. Il y a pour beaucoup du mal dans mon vie même, dans ma famille. Avec mon travail, mon camarade de travail. Mais Seigneur, ce matin, me demande pardonne-moi. Et me pardonne tous ceux qui l'offensent moi. Même une personne qui est difficile, Seigneur, me demande pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision, non seulement pour pardonner, mais aussi bénis-le, Seigneur. Seigneur, bénis-le, te dire, priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Seigneur, mon Dieu, bénis-le. Me libère cette âme, cet esprit, Seigneur. Me libère ce. Me parle de garder dans mon équerre maintenant. Seigneur, pardonne-le. Parce qu'il me l'est vivre une vie heureuse. Et me l'est recevoir toutes les bénédictions, Seigneur, qui doit te garder pour moi. Me parle, prive-moi de ces bénédictions. Me l'est être libre maintenant, Seigneur. Parce que je te dis ta parole. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, ce matin, me connais. Me tiens une dette envers toi. C'est mon péché qui me commet envers toi. Je ne suis pas capable de payer sa prix là, mais toi tu payes sa prix là pour moi. Et je me demande toi ce matin, pourquoi tu pardonnes moi, moi aussi me pardonne à tous ceux qui offensent moi. Merci papa, dans le nom de Jésus. Me repentis Seigneur. Amen. Les bénis frères et sœurs. Alléluia. C'est la grâce du pasteur Willy. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je viens de recevoir un bon enseignement. Un bon enseignement sur le pardon. Alors, God, ce message-là dans votre cœur. Et mettez-le en pratique. Amen. Et le test, comment dire, qui pourra rassurer nous, qui devrait même nous pardonner une personne. Même dans le cas d'une séparation, d'un éloignement, ou whatever qui va venir arriver. Et le test suprême là-dedans, c'est est-ce qu'il peut désirer un grand bien pour sa dimoune là. Que ça aime bien nous prier pour lui. Amen. Ou pas désirer arriver le malheur, ou désirer arriver du bien. Malgré le fait qu'il finit là, une dispute, une séparation, un éloignement, n'importe quoi, si dans où l'équerre, vous pouvez désirer le plus grand bien pour sa personne-là, ah bon Dieu, bénis-le, sans l'équerre, pour dire ça, pourquoi vous même l'équerre, vous êtes sans hein, ou pas, hein, comme un frère là, tu dis, ou get un dimon, il get sur moi, déjà, sur lesquels est bouillant dans, mais ça veut dire qu'il n'est pas bon. Hein? Il n'est pas bon. Et quand nous désirons le plus grand bien pour celui qui nous offense, nous, ça veut dire qu'il est correct là. Nous désirons son plus grand bien. Nous désirons qu'il soit futur, béni. Hein? Le Seigneur béni, lui, nous désire ça dans notre cœur. Et ça, il pourra assurer nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Garde ce message-là. Fais-le aujourd'hui. Peut-être que nous sommes capables, avant de nous faire la Sainte Seine, ressenti moment là, dans le recueillement, nous baissons la tête, nous prions en silence, nous pensons à Savan Dimoun là, d'accord? Nous pensons à X, Y, Z qui nous offense. Et l'offense toujours éloigné ça, il n'est pas rapproché. Mais dans n'importe quel cas, dis-moi Seigneur, qui vous désire le plus grand bien pour sa Dimoun là. Amen. Passe au malheur. Alléluia. Notre Dieu, notre Dieu, comme tu nous as pardonné en Jésus-Christ, comme Jésus a donné sa vie, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. L'ancien des jours, le Fils de Dieu, le Logos éternel, le Créateur de l'univers, celui qui finit comme la gloire de Dieu dans toute sa plénitude pour l'éternité, finit un être humain. La parole a été faite chair, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Oh, il finit prier même pour ses bourreaux qui t'y peut crucifier lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, nous aussi, ce matin, après avoir entendu ce message, nous les pardonnons à tous ceux qui n'offensent nous. Pendant tout nous la vie, chacun d'entre nous jusqu'à maintenant, quelle que soit la profondeur, la grandeur de l'offense, quelle que soit la douleur qui s'affine cause nous et l'éloignement qui finit dans la vie de certains, nous pardonner aujourd'hui. Nous pas ouler et n'a la haine contre un seul homme ou une seule femme ou un seul enfant sur la face de cette terre. Pas même un seul. Nous pas les haïr, pas même un seul. Et nous les désirons notre plus grand bien, Seigneur, pour assurer notre cœur devant toi. Nous pas désirons aucun malheur pour eux, au contraire, nous désirons notre plus grand bien, notre propre repentance, Seigneur, qu'ils ont aussi notre apprendre à pardonner. Béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous vous prenons la Sainte Seine. Nous pouvons lire ce passage de 1 Corinthiens. Peut-être les musiciens qui vont prendre notre place, nous sentons un petit cantique ensemble, puis ils prennent la Sainte Seine, nous aussi ensemble, nous. Dans la salle, là, nous disons 10 personnes. Hein? Nous peinons à plus que 10, d'après les consignes de l'autorité, restrictions sanitaires. Mais nous autres, ensemble, nous autres dans la maison, nous avons 10 ici. Mais nous, beaucoup, parce que nous, dans nous autres, la maison, nous allons recevoir nous ces autres. Amen. Alors, prends la Sainte Seine-là ensemble. Pas toi, Tolo, Lili, avec ton portable. Ou à tout, pas qu'on est qui te peut faire là-bas,
Hein, tu peux écouter message toujours, tu peux laver toute l'assiette. Non, qui, moi, je ne dis pas comme ça. Hein, moi, je ne pas comme ça. Moi, je ne pas comme ça. Qu'ils soient tous dans le même lieu, tout dans le salon, ou dans l'ensemble, la salle à manger, pour être avec que tu étais, que de télévision, ou de portable, ou de tablette, tout ensemble. Et là, et qui, les éléments de la Sainte-Seine préparés, hein, le vin, le pain, chacun ce verre, et là nous pourrons lire ensemble. Alléluia. Quand j'ai reçu du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 23, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. » La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, peut-être justement avec ça la haine, là où l'équerre, pas ne pas ordonner, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, lui-même, pas son camarade. Parce que je ne sais pas qui passait dans le cœur ton camarade, mais éprouve, chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, c'est qui nous battre content, ça va être le cas. Et la Sainte-Seine, il y a une bénédiction, frères et sœurs. Malgré que la Sainte-Seine n'est pas destinée à la guérison divine, il est destiné à célébrer la mort du Seigneur et sa résurrection. Cependant, sans qu'ils se t'attendent, hein, et là, en prenant la Sainte-Seine, de fin gagner une grande bénédiction, de fin tout, de fin tous autres guéris, délivrés, ça peut se passer, même si c'est pas le but. Le but, c'est de célébrer la mort du Seigneur. Justement, quand nous pouvons célébrer la mort du Seigneur, l'inmort pour nous pouvons dire merci Seigneur, hein, tu nous verses 10 ans pour nous, nous pouvons penser à la croix et que sa parole là vienne dans notre cœur, par ses meurtres, ici, nous sommes guéris, et là, des personnes viennent. Toute notre guérison comme cela. Le Seigneur agit n'importe quand, n'importe où, comme il veut. Hein? Amen. Gloire à Dieu. À nous rendre grâce ensemble. Merci. Nous dire merci Jésus. Merci. Merci Papa. Merci pour le don de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quel amour, Seigneur, te finis dans Père. Pour te donne-nous ton Fils, celui qui est l'expression de toi-même. Celui sans lequel tu n'es pas capable, exprime-toi, tu exprimes-toi que par lui, te glorifie-toi que en lui-même. Il est toi-même révélé, Seigneur. Seigneur, celui qui trouve Jésus, qui trouve toi. Celui qui rencontre Jésus, rencontre Dieu, parce que Dieu est en lui. Celui-là te donne-nous cadeau, te finit envoyer sur la terre, il finit humilier comme un simple homme. C'était Dieu qui t'y fait mort au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Nous prenons ça la Sainte Seine là en pensant à la croix. Et aujourd'hui, nous pardonnons, nous parlons à la haine contre une seule personne. Ça, toutes ces personnes qui sont dans l'île Maurice, 1 300 000 du monde dans Maurice, 8 milliards de la terre, nous parlons à un seul qui nous garde dans notre cœur. Un seul contre lequel nous avons une rancune ou une rancœur. Nous avons un seul qui nous parle du bien. Nous l'est le bien de tout le monde. Nous parlons arrive malheur personne. Même celui qui nous offense nous, nous désire ce plus grand bien dans n'importe quelle circonstance qui est capable d'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons
le pain, le vin, ben, qui la salle de Nazis, trois personnes, les restent sur l'estrade avec moi. Et bien, j'en moque pour passer, prends la Sainte Seine. Alléluia. Ce pain que nous partageons, c'est ton corps brisé sur la croix. Ce vin que nous partageons, c'est ton sang versé pour nos péchés. Ce pain, c'est ton corps, Seigneur. Ce vin, c'est ton sang, Seigneur, qui nous donne la vie. Ce pain, c'est ton corps, Seigneur. Ce vin, c'est ton sang, Seigneur, qui donne la vie. Prenez la Sainte Seine. Alléluia. Ce pain que nous partageons, oh, praise the Lord, c'est ton corps brisé sur la croix. Alléluia. Ce vin c'est ton sang versé pour nos péchés. Ce pain, c'est ton corps, Seigneur. Ce vin, c'est ton sang, Seigneur, qui nous donne la vie. Ce vin, c'est ton sang, Seigneur, qui oh, rabba, rabba. Nous donne la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous vous présentons une requête de prière, une qui finit de contacter nous là tout de suite. Jean-Marc, vous priez pour eux, nous vous priez pour eux. Et tous ceux qui finissent guéris. Quand nous prions pour eux, nous sommes guéris. Pareil, comment nous prenons le soin de nous écrire pour faire nous connaître notre requête. Prends la peine aussi de nous écrire encore une fois pour dire qu'ils sommes guéris. Pour la gloire du Seigneur, moi et vous, nous tous qui là, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. La gloire n'est pas à nous, la gloire est au Seigneur. Nous besoin capables, après qu'il nous finisse. Priez le Seigneur et les fines répondent nous, rendent les grâces ensemble et rendent témoignage. Jésus réclame ça, il y a tant ça. Rappelle bien le dit lépreux, quand tous les dix s'y guérit, un seul est retourné. Jésus pour demander, es-tu le seul à retourner? Où sont les neuf autres? N'ont-ils pas tous été guéris? Jésus, Tityatan, ne s'est-il trouvé que cet étranger, c'était un Samaritain, qui retournait pour... Pour rendre gloire à Dieu, il faut rendre gloire à Dieu. Pour capable, God sa guérison là. Il y a un secret dans God guérison. Vous avez une guérison, oui, comment vous pour God li. Ou rendre témoignage de sa guérison là et ou glorifier le Seigneur. Voilà, nous pour présentons cette requête là, nous pour prier. Et puis, nous ban l'annonce, c'est très simple. C'est mercredi 17h30, évangélisation. Nous avons un message pour vous ça mercredi là. Soyez très, très nombreux. À l'écoute mercredi, ce sera un message sur la foi pour la guérison divine. La foi pour recevoir la guérison divine. Mercredi et dimanche prochain, bien sûr, 9h30, le culte. Nous prions pour ces amis qui finissent d'écrire nous. Alléluia. Nous prions pour bonne requête. Nous rendons grâce plutôt avant. Nous rendons grâce pour la famille d'Omen. D'Omen, nous prions pour lui semaine dernière qui a testé positif toute la famille. Et maintenant, il a envoyé un requête de rendre grâce parce qu'ils ont tout fini guéri. Alléluia. Laisse-nous rendre grâce. Merci Seigneur. Nous rendons toi grâce pour Domaine et sa famille. Alléluia. Qui te fait une guérison, te fait toujours, Seigneur Jésus. Oui, alléluia. Oh, te fait prouver encore une fois, Seigneur Jésus, qui t'écoute nous la prière.
qui te prend soin de tes enfants. Alléluia. Oh, alléluia, tu fais une guérison. Oh, c'est toi, Seigneur Jésus, qui te la main fait une lourde, tu fais une guérison dans le nom puissant de Jésus. Et nous les dis-toi merci. Nous associons-nous avec la famille de Domaine pour dire-toi merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette guérison, Seigneur. Alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur Jésus. Ton nom les glorifier, ton nom les bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. On a plusieurs requêtes, presque tout les requêtes liées, parce que la plupart positif Corona, Covid. Nous prions pour toutes ces bonnes personnes qui viennent tester positif, qui ont isolement. Nous prions pour Frère Okul demande de prier pour son beau-frère qui vient tester positif, qui est à l'hôpital. Nous prions pour la famille Soumortian qui a toute la famille testée positif. Frère Devanan demande de prier pour son petit fils qui Angela. Qui a la douleur. Erwin demande de prier pour une dame qui est malade et en isolement. Et nous prier pour toutes les personnes qui nous connaissent, qui sont en isolement à la maison ou ça donne à admettre l'hôpital, qui testent positif. Nous prier pour tous ces bancas-là. Alléluia. Nous bon Dieu, il est au trône et il y a la situation toujours en main. Alléluia. Il est toujours guéri. Alléluia. Seigneur, nous prions toi pour toutes ces bonnes personnes qui viennent tester positif au Covid. Alléluia. Oui, Seigneur, toi seul qui peux les délivrer. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Covid, lui faire paix maintenant, mais c'est mort. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au-dessus de Covid-19. Alléluia. Oh, tout genou besoin fléchir. Oh, ainsi que Covid-19, lui besoin fléchir devant toi. C'est pourquoi nous place toutes ces personnes dans la main, Seigneur. Nous prenons la guérison dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces personnes, ils ont été guéris. Alléluia. Que ta présence consume ce virus-là qui est dans notre. Alléluia. Anéantis ce virus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous prions pour l'anniversaire. Nous prions pour Joël qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Pour mon frère Michel Petit qui pour fête ses 65 ans. Et Josen Kandasamy qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Bon anniversaire, mon frère. Bon frère, tout mon frère aujourd'hui. Bon anniversaire, mon frère. Que bon Dieu bénisse les autres. Alléluia. Seigneur, nous place Joël, frère Michel et Josen devant toi, Seigneur. Qui te bénisse les autres, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, le plus beau cadeau, Seigneur Jésus, qui te capable de faire, c'est que ta présence reste toujours avec autres, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Bénis autres, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ta présence soit avec autres. Qui te l'amène, il aux autres, Seigneur Jésus. Que ton nom est béni, Seigneur. Alléluia. Nous placons deux coupes dans la prière. Ils ont fait une fête de l'anniversaire de mariage. Erwin et Jenita, 13 ans à l'anniversaire de mariage aujourd'hui. Et Michael et Nela Lassir qui fêtent 15 ans aujourd'hui. Bon anniversaire de mariage à tous les deux couples. Que bon Dieu bénisse et servisse dans notre ministère. Alléluia. Seigneur, nous place Erwin et Jenita, Michael et Nela. Alléluia. Oh, alléluia, quitte avec autres. Dans ce couple, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Qui t'a avec autres dans notre couple, Seigneur Jésus, qui t'a capable de servir autres encore dans une plus grande dimension, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Servis-toi de ce couple-là, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Que ton nom est béni. Nous disons merci, alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'il t'a fini avec autres pendant ces 13 ans, t'a fini avec autres pendant ces 15 ans. Et Seigneur Jésus, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour dans notre équerre qu'ils sont capables de durer. Et nous demandons encore quitte l'amour, quitte la présence avec autres, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous réunions peut-être à sa fin. Encore une fois, nous l'annonce. Mercredi, nous pour toujours en live à 5h30. Réunir les autres chez eux. Vous avez la main requête.
préparer notre requête, d'être capable d'avoir nous une requête même en avance, nous pour gagner notre requête, nous pour notre lit, nous pour prier pour autres, alléluia. Et réunir nous en famille, chaque fois qu'ils nous vont en réunion, en live, qu'il est mercredi, qu'il est dimanche, nous pas dire qu'à cause maintenant, nous avons un device, nous avons une tablette, nous avons un portable, chacun reste dans ce coin, suivre rayon, chacun dans la salle, non. Quand nous avons l'heure du rayon, ils étaient tous ensemble. Nous pas tous ensemble là, mais tous ensemble de notre famille, tous ensemble de notre famille. Alléluia. Hein? Chaque famille, tous ensemble. Amen. Et le Seigneur est pas avec vous. Et le Seigneur pour bénir vous chaque. Alléluia, chaque jour. Amen. Passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur.